Un peu moins d'un habitant sur deux vit à la campagne. En géographie, on parle d'espace rural. Comme les villes, l'espace rural est lui aussi habité par l'homme. Un espace rural est un espace habité et cultivé par l'homme. Dans le monde entier, les espaces ruraux sont nettement plus nombreux que les villes, mais les densités de population y sont faibles. Nous allons donc nous demander comment habite-t-on l'espace rural. Pour cela, nous allons comparer deux types d'espaces ruraux. D'abord, les grandes plaines américaines, puis dans une seconde capsule, les plaines rizicoles du Vietnam. Une plaine est un espace géographique caractérisé par l'absence de pente. Les plaines américaines ont la particularité d'être immenses. Elles s'étendent du nord au sud des États-Unis, dans la partie centrale du pays. On les appelle les grandes plaines. Seulement 3% des États-Uniens y vivent. L'activité principale réalisée par les hommes est l'agriculture. Les exploitations agricoles sont gigantesques. Elles font en moyenne 155 hectares contre environ 55 en France. Il faut de nombreuses machines pour récolter les cultures, tracteurs, camions ou encore remorques. L'objectif est de produire le plus possible. On appelle cela l'agriculture intensive. Grâce à l'agriculture intensive des grandes plaines, ce qu'on appelle la filière agricole est très importante aux États-Unis. Les grandes plaines sont donc un espace rural, peu peuplé, très exploité et très organisé. Leur importance est tellement grande qu'elles ont pour surnom le grenier à blé des États-Unis. Rends-toi maintenant dans la capsule suivante afin de pouvoir comparer les grandes plaines américaines aux plaines rizicoles du Vietnam.